Pourquoi ça marche dans certains endroits? Eh bien, pour avoir fait un peu le tour d'endroits où ça marche, d'endroits où ça ne marche pas, l'équation est assez simple. Quand vous avez un directeur d'hôpital, qui est maintenant le patron tout-puissant de l'hôpital, hein, depuis la loi HPST, quand vous avez une communauté médicale représentée par le président de la CME, et quand vous avez un responsable de structure de médecine d'urgence qui s'entendent et qui vont dans le même sens, eh bien, ça marche. Voilà. Simplement, Donc c'est la faute, c'est la responsabilité du directeur ou des trois? c'est un peu la responsabilité des trois, mais je me souviens d'une discussion face à notre président Sarkozy quand la loi HPST est sortie. Où je lui ai dit, mais c'est très bien qu'il y ait un seul patron à l'hôpital, mais il faut qu'il assume tout. Et on est dans une situation où c'est très difficile d'assumer. Vous savez, pour un directeur d'hôpital, est-ce qu'il vaut mieux se fâcher avec le chef de service des urgences ou avec les 15 autres chefs de service? Et Alors, quand c'est du CHU, je vous en parle qui même pas. doit siffler un peu la fin de cette difficulté-là? Parce que c'est quand même pas normal qu'au sein d'un hôpital, on n'arrive pas, alors qu'on sait comment faire, organiser les urgences et la gestion des lits d'aval, et que ça aille dans les services de spécialité qui ne veulent pas forcément accueillir ces patients des Et vous urgences. nous direz ce que vous pensez des confrères libéraux. Mais je pense du bien de tous les confrères. D'accord. Mais Alors, essayons d'avancer le débat. voilà. Non, mais si vous voulez, le problème de l'hôpital, c'est qu'il a été structuré, conçu, financé maintenant par la T2A avec un objectif qui est la rentabilité, qui peut être compris hein, pour plein de problèmes. Mais cette déviance de rentabilité a fait que ben, on hospitalise des patients entre guillemets rentables, des patients où c'est plus simple, on fait de l'hospitalisation programmée parce que comme ça on est sûr de remplir ses lits à 98-99%, alors qu'on sait depuis des années qu'un service de médecine qui remplit ses lits à plus de 85% n'aura plus de lits pour les urgences. Ça a été largement prouvé. Donc on voit bien que quand on parle d'une refonte globale du système, oui, il faut une refonte globale du système. Et du financement, ce que propose la ministre. Et du financement. Quand on dit que le système est en train de s'effondrer, il n'est pas en train de s'effondrer aux urgences, il est en train de mourir. Et les soignants ont levé la barrière très vite et ils ont raison parce Mais que ça a fait bouger les lignes. Et il faut des mesures immédiates dans les 2 mois qui viennent pour lever la pression sur nos services d'urgence, alors sinon on ne juste passera pas l'hiver.